Allez, sur ce, je démarre l'enregistrement. Salut le bro, c'est l'RB, j'espère que vous allez me retrouver pour une petite game avec Renexon sur le skin sur lequel je n'ai encore jamais perdu sur la Ligue des Légendes. On le rappelle, hein, jamais. Et voilà, donc on est parti, Renekton X-Tech, tout simplement. On est face à une Akali top. Bah, Akali top, ça me rappelle de bons souvenirs. Renekton face à Akali. Lanames, je sais plus que c'était quoi le nom de la LAN, je crois que c'était le SWSMS. Lunari Solari, on se rappelle ce qui s'est passé. Après moi tu vois, genre je mets des thunes dans les shoes j'avoue. Mais je mets très peu de thunes dans ma caisse par exemple. What the fuck? Jure. Quelle pute. J'ai envie de me tirer une balle. J'ai envie de me tirer une balle. Je vais mettre une ward quand même direct. Oh j'ai plus envie de jouer. Ah bien. Pourquoi Elise? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais ça? J'ai vraiment la haine là de jouer au jeu hein. Pourquoi t'as pas juste sidestep? Parce qu'en gros, au moment où elle a lancé le cocoon, c'était trop tard. Fallait que je sidestep avant. Faut que je fasse attention à cette petite Elise. Elle me touche grâce à son Q-spell. Fait chier. Fait grandement chier. J'ai toujours pas d'infos sur Elise. Arrête de me casser les couilles. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Par contre, je pense que j'ai jamais vu. Je crois que j'ai pas fait une seule game sur ce skin où je me suis pas fait camp. Vraiment. Ok, je suis mort, je crois. Ouais, je suis mort. Si elle joue bien, je suis mort. Si elle touche son E, je suis mort. Non, je suis pas mort. Elle a troll. Je suis pas mort. Ouais. Bon, je vais devoir back, fait chier. Je peux pas rester sur la lane parce que sinon elle me dive. Je vais perdre beaucoup d'XP. Si elle m'avait mis une auto de plus, c'était bon. Le skin qui attire trop l'attention, vous allez me dire, ouais, c'est ça. Mais je l'ai dit hier, en gros, c'est un skin. Quand tu le joues, tu sais que tu vas te faire camp. C'est obligatoire. Parce qu'en fait, ça déclenche un phénomène de haine envers les adversaires qui sont jaloux de ton skin. Parce qu'ils disent, putain, moi j'ai pas 10 gemstones. Moi je suis pas un Yankee comme lui. Du coup, je peux pas me procurer skin. Il coûte trop cher. Et du coup, oh, bien joué, ça c'est beau ça. Et du coup, ils me campent. Mais derrière, ils oublient le fondamental de la game. Qui est qu'on ne doit pas focus seulement une personne. On doit focus la map. On doit focus les objectifs. Et du coup, vu qu'ils sont sur mes côtes à essayer de me tuer en boucle, certes ils me tuent, certes je meurs genre 15 fois par game, mais à côté ils prennent pas de tour. Ce qui fait que nous, quand je suis mort 15 fois, bah nous on a détruit le Nexus. Et là, c'est gagné. En gros, c'est le skin qui fait tomber les adversaires dans le côté obscur de la force. Et ouais les gars. Et ouais les gars. Bon du coup elle a plus d'ignite elle par contre, ça c'est bien. J'ai vite son Q-spell là, sur chaque spell, hop, esquive, mais vas-y c'est bon aussi. Elle joue un champion broken, c'est bon, je peux pas jouer aussi, je peux pas jouer. Ok, je vais mettre une ward. J'ai mon flash que dans 2 minutes, donc c'est chiant. Elle va mettre son Z, ouais. Ah non, elle va pas mettre son Q, pardon. Hop. Ok, c'est bon, elle m'a pas touché. Vas-y, mais elle a son Q-spell tout le temps aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ce champion? Imagine, ton champion il a des spells toutes les 2 secondes. C'est abusé. Allez, c'est bon, reviens Elise, y'a pas de soucis. Allez, c'est bon, me fais pas chier. No flash Elise. Allez, continue de forcer maintenant, continue. Vas-y, vas-y, reviens. Là, elle va mettre un cocon, hop, esquive. Tu spammais Akali, Renek, Riven et tu te plains que tu peux pas jouer. Mais c'était pas la même Akali. L'Akali que je jouais avant n'était pas aussi oppressante que cette Akali là hein. Je vous le jure. Hop, esquive. Hop, esquive. Allez, reste. C'est Narcus en fait en face de moi. Non, c'est grave le forcing par contre.
Bon, je vais devoir la jouer safe, sinon elle va ressortir du bush. Là, elle est encore là, regarde. Je vais même là, hop, cocon. Bon, elle peut pas me R parce qu'elle me tue pas, elle me 100% pas 0. 100%. Bon, du coup, mon farming est bien. Parce que je passe une bonne game actuellement. Jure, ça a pas tapé loin. Oh. Juste prendre Exrinker first item. Je vais prendre Exrinker first item, ça va m'aider déjà. Ok, bon, le farming n'est pas là. Mais ce n'est pas de ma faute. Donc il va falloir que je push cette wave là. Normalement après la prochaine wave j'aurai mon Exrinker. Et regardez la Lise, elle a tellement forcé sur moi qu'au final, boum, elle arrive, elle tente des ganks, elle meurt. La haine l'envahit, la haine l'envahit. Je vous le dis. Ah merde, je clean pas les waves comme ça. Fais chier. Faut que j'arrive à push le gros. Vite, vite. Ok, là elle peut me R. Là elle aurait pu me R. Je pense que sur le timing là, elle me Q-spell, elle m'avance dessus, elle me R in, je suis mort. Ouais. Oui, je suis mort. Mais bon. Heureusement pour moi. Hein. Je vais pas me plaindre d'être en vie quand même. Ce serait con. J'avoue que je suis en train de faire solo win mon équipe. Hein. Juste grâce à un skin. Vous vous rendez compte ou pas? Je suis en train de solo win la game grâce à ce skin. C'est un truc de fou. Les skins Hextech, c'est des pay to win. Moi je vous le dis, c'est des pay to win les skins Hextech. Ouais, c'est bon. Hop. Bon, elle me met que 12-16 finalement, ça va. Ça se passe plutôt bien. Et je pense même que je suis devant elle en XP. J'ai pris un Exrinker, du coup normalement il peut pas me tuer, elle doit avoir mis noire d'ici normalement. La Lise devrait pas tarder à revenir, hein, logiquement. Je pense que d'ici environ moins d'une minute elle vient, mais je la tue. Regarde, elle va venir top, et je vais tuer la Lise grâce à mon Exrinker et mon R. Je n'ai plus peur d'elle. Ok, esquive, parfait. Ok, esquive, ça c'est calculé. Essaye de push un peu. Bon, là, il met un Q-spell normal. Est-ce que je peux prendre le Carapateur? Elle a une pink ici. Vu comment elle défendait son bush, même pas. Ou alors il y a la hélice pas loin. Non, j'ai pas le Carap. Ok. Donc, Carap top qui vient d'être fait. Hélice topside. Logique. Là, il a quoi? Elle a quand même Smite rouge. Avec son Smite red, je peux pas la tuer comme ça. Ça m'embête. Ça m'embête un peu en vrai. Ok, elle va pas venir. Hein. Je pense pas qu'elle vienne là-dessus, honnêtement. Si elle vient là-dessus, c'est vraiment une grande suicidaire. Donc elle me deny des 16 par contre, donc ça c'est bien fait de sa part. Hop, esquive. Ça va, je joue bien avec, avec mon positionnement pour l'instant. Pas me tuer, j'ai envie de la tuer. Par contre, je te jure que dans 5 secondes, je la tue. Si je dois la flash in pour la tuer, j'en ai rien à foutre. C'est maintenant. Faut que j'attende mon truc de conquérant. Allez, c'est bon. Allez, baisse ta mère maintenant. Tu te fais camper, tu perds ta lane. C'est trop, par contre, gros. Bon, moi je rate mes creeps, mais voilà. Je t'ai prévenu, hein. Si je dois te flash in, je te flash in, hein. Alpha by the way. Bon, je vais prendre des bots quand même, ça peut être utile. On a déjà pris la première tourelle, ils vont swap, parfait. Je vais aller bot, je vais aller prendre ça. Je vais devoir prendre mon Tiamat et ce sera bon. Par contre là t'es un peu loin Shaco. Il a pu faire son dash après. Par contre là t'es peut-être mort quand même, hein. Ouais, je pense que t'es mort gros. Oh, il a smite. Non, il a smite, il meurt pas. Comment elle a Elise, elle doit avoir la haine. Tous ses gants qui passent pas. Et à chaque fois, elle rate ses trucs, genre. C'est terrible.
Par contre, faut pas que je gagne mes games trop vite. Parce que si je gagne mes games trop vite, à 21h, j'aurai déjà gagné mon BO et j'aurai le temps de refaire une game. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait une game un peu plus longue là. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est trop. C'est trop facile là, on peut le dire. Hein. C'est un peu trop facile. Hein. Ah, c'est bien que Zunker aussi contre Kessa, ça me va. Mais bien sûr, je le savais quand j'ai pris mon Exunker, je savais que la décarrée adverse fait des dégâts magiques. Je viens pas juste de le découvrir maintenant. Ok, je recule. Oh là. Oh, joli, joli, joli. Ok, je suis mort, c'est bon. Oh, peut-être pas. J'ai mon R dans 3, j'ai mon R dans 3, j'ai mon R dans 3, vite. Dommage. Ah, c'était tenté quand même. J'ai tampon mon ultimate, c'était bien. Après, j'ai mis mon Q-spell, j'ai touché la Kessa, donc j'ai régène là-dessus, ça m'a mis pas trop mal. Le seul problème, c'est qu'elle avait encore son R. C'était pas si mal joué. Malheureusement, je suis quand même mort. Ouais, et j'avais pas le Z encore. Si seulement j'avais eu le Z, je pense que je tuais la Kessa, mais bon, il me fallait le Z quoi. Ah, par contre, t'es sous la tour là, bro. Ok. Oh, salut. Attends, il y a le passif encore, il y a le passif. Ah, dommage. J'aurais kiffé que la Zoé meure du passif de Brand. Ça aurait été magnifique. Bon, par contre, top au bout d'un moment. Ça va être embêtant. Hein. Après, si on perd le top pour gagner le mid, le bot et le top, c'est à peu près rentable. Ok, je suis level 10, je suis bien, laquelle est level 9. Elle met toujours un peu de CS d'avance, c'est normal hein, vu comment j'ai passé un mauvais early. Elle meurt pas là, ici, si elle meurt Big Knight. Ok. Oh, j'ai si mal farm cette game. Ça me dégoûte. De farm comme ça avec Renek, ça me dégoûte. Parce que Renek, c'est normalement le champion sur lequel je farm le mieux. Et là, je suis à 102 CS à 14 minutes, c'est affligeant. Par contre, on est toujours en train de gagner grâce à ce skin, on le rappelle. Et merci à toi, Arcali, pour ton resub de 8 mois déjà. On va prendre la T2, je pense qu'ils vont FF à un moment. Ils doivent bien se dire que là, la game est un peu compromise. Quoi. Reviens là. Alpha, by the way. Y'a Shaco derrière, c'est bon, j'ai mon Exunker, j'ai tout. Je suis bien encore. Allez, venez. Oh non, il a ça. Mais non, mais Shaco, il est pas venu, bâtard. Attends, moi. Il en a rien à foutre en fait. Il en avait legit rien à foutre, le bâtard. Merci à toi, Kaora, pour ton resub. Bon, j'ai ravancé dedans parce que je me suis dit que je pouvais trade et que le Shaco allait arriver. Mais ça s'est pas bien passé. C'est quoi là? Pourquoi il prend mes chaussures en photo là, Gibbs là? Il va s'acheter des chaussures fluo lui aussi. Mais il veut s'acheter des Balenciaga lui là. C'est vraiment le Yankee quoi. Julo en Balenciaga. Tu fais aussi un 1v4 by the way. Ah, mais j'aime bien faire des 1v4. C'est le skin Extech. C'est un skin sur lequel je n'ai jamais perdu encore. J'ai dû faire genre 20 games environ dessus. J'ai pas perdu encore. Ouais, environ. Zéro défaite. Le skin est trop fort. Le skin est trop fort genre. Ouais, bah, je tryhard, bien sûr, je tryhard. Attends, je suis un joueur professionnel de League of Legends. Hein. Tu veux m'énerver, tu grides tellement. Bah, oui. Sinon, je serais bien trop fort si jamais je gridais pas. Ça me fait chier. J'adore grid. Grid, c'est ce qui me définit. Si jamais je ne grid plus, je ne suis plus moi. Et si jamais je ne suis plus moi, bah, je suis plus moi. Et ouais, les gars. Vous y attendiez pas cette fin. Bon, je vais continuer de push au bot, ça. J'avais perdu hier, t'as fait 3-11. Ouais, mais voilà, j'ai gagné. En faisant 3-11, je gagne tout le temps. Parce que j'ai attisé
la haine de mes adversaires sur moi. Et rien de mieux pour gagner. Bon, par contre, là, au bout d'un moment, j'avoue que je force. Je me dis bien qu'ils sont beaucoup. Parce que j'ai vu la hélice par là. J'ai vu le trash qui était en train d'arriver. Je suis caché. Il y a Elise pas loin. Normalement, si j'avance maintenant, je vais me prendre Elise et Akali. Logiquement. C'est logique. J'adore. Voilà, hop. Oh non. Oh, regardez, flashy. Oh non. Jure. Je vais faire un flash. Comment ça s'appelle? Ce flash Tiamat n'était pas très beau. C'est vrai que ce flash Tiamat n'était pas très beau. Mais je pensais pouvoir. Attends, mais si je l'utilise, si j'ai flash Tiamat. Mais je pensais pouvoir tuer la Elise avec mon flash Tiamat. Malheureusement, ça a pas marché quoi. C'est ce qu'on appelle les flash int. Mais au moins, les flash int, c'est ma raison de vivre. Enfin, je pense que j'aurais pu les tuer tous les deux, j'ai un peu misplay là-dessus. Et j'aurais dû être encore plus alpha, c'est-à-dire ne pas reculer. Si j'avais pas reculé, c'était bon. Si seulement je n'avais absolument pas reculé, c'était vraiment vraiment giga win. Sauf que j'ai eu un peu peur, du coup j'ai fait un pas en arrière. Et le pas en arrière me coûte très cher. Ah là là, c'est dur. Les flash-in aujourd'hui c'est pas ça, ouais mais bon. Au moins on les tente. Et ça c'est beau. Oh la chatte. La chatte. Par contre là je crois que la Kali me bat. Du coup ça devient un problème. Si la Kali commence à gagner en V1, ça va être un gros problème. Après c'est pas encore sûr mais... Ah si quand même hein. Elle a quand même du stuff là pour me tuer. Ok. Ok le Herald. Je suis bien en train d'aider ma team là pour l'instant. Ok pas mal, j'y rejoins bientôt. Yes, bien joué. Bien joué à moi. Grâce à moi ils ont pris cette tourelle. Ok, grâce à moi ils vont prendre cet inhibiteur normalement. Nice. Bien joué à moi, encore une fois. Pas mal hein. Je suis vraiment en train de les outplay violemment là. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez faire à mon allié? Ok, je recule, c'est bon. Intéressant. Intéressant ce qu'il a mis. On arrive par l'arrière. Ok, je les aide bien là. Oh, nice. Dommage ça. Ok. Grâce à moi, encore une fois, ce fight a été remporté. Je suis littéralement en train de 1v9 cette game. Hein. C'est beau, hein. Regardez, encore une fois, grâce à ce skin, j'ai gagné la game. Parce que j'ai encore une fois attisé la haine de mes adversaires sur moi. Et grâce à cette haine qui a été accumulée de leur côté, eh bien ils ne se retrouvaient plus. Ça, par contre, on finit les games trop vite, c'est chiant. J'ai pas prévu ça, moi. Ça va trop vite, les gars. Putain, il faut que je hint un peu plus, alors. C'est pas sur moi. Reviens là. Oh non. Bon, tant pis. Je pourrais pas hint plus que ça. Hop les. Oh dommage. Bon bah écoutez hein, c'était une belle game. C'était une belle game de League of Legends. La Elise a porté son dévolu sur moi et au final bah ça a pas du tout suffi. Donc pas mal. Je vais honor qui? Je honore Draven. Draven il était bien alpha, j'aime bien. Donc il a bien carry. Comme on l'a dit, on est en BO. Malheureusement on est en BO 20 minutes trop tôt. Fait chier. Parce qu'on a repris le live à 18h20. Je vous ai dit que normalement j'étais en BO à 19h40. Mais non, encore mieux. Je vais faire une win, une lose. Ce qui fera qu'il sera 20h32. Et du coup j'aurai le temps de faire ma dernière game de BO à 20h32 pour gagner le BO. Je pense que c'est bien hein. Regarde, tu vois, Elise 100% FR, Just Camped a Streamer. Tu vois, classique, on connaît, ils ont voulu me camper, ça a pas marché, ce n'est pas grave. Bon allez, sur ce, j'espère que cette game vous a plu. On a encore une fois gagné en pur 1v9. Bisous, à la prochaine sur le prochain.